This is... Arracheur d'asphalte, de gravier, d'herbe, et éventuellement bûcheron. Bon, alors on a dit 2-2 maxi à l'arrière, 2 à l'avant. C'est ce qu'on va faire. Je parie que ma vanne elle est là où je peux pas aller. Voilà, tous les coups, c'était sûr. Ah ça va, j'arrive. Par contre pour foutre le truc, je sais pas. Oh, c'est une heure pour enlever un bouchon, hein. C'est quoi ce délire? Putain, j'ai mis le temps de temps pour enlever un bouchon, mon pote de Valve. Bon alors attends. Ah bah je suis à 2-4. Donc on va mettre 2-2. 2-2. Voilà. Hop. On refout le bouchon pendant une heure encore. Voilà, faut pas serrer trop fort. Bon. Ah ouais, j'ai pas fait l'avant, putain, connard. Moi. Ça vous fait pas, ça vous, des fois, des jours, tu sais, où tu te dis, putain, j'aurais mieux fait de rester couché, mon pote. Je fais que de la merde. Bon, bah, moi, c'est souvent. Ah oui, là, par contre, j'étais trop. Là, j'étais vraiment trop dégonflé, là. Ah, la Michto 2. Putain, j'ai bien fait de contrôler. J'étais vachement à plat dans celui-là. Bon ben voilà, j'ai la crate tout neuf, a été pris en garantie comme je vous l'avais dit dans la vidéo là. Et j'en ai profité pour faire vidange complète, crépine, filtre à huile, purge du frein arrière parce qu'il était vraiment noir. Merci madame. Là j'ai une moto Michto pour Souken, aller rouler avec Marty, Fazerman aussi. Ouais, pendant que j'en suis, je pense aux gens là qui sont gentils là. Je me dis je remercie le mécano de chez KTM, Nico, parce qu'il m'a fait un putain de cadeau. Il m'a laissé filmer en fait la révision de la KTM pour que je puisse faire toutes les petites révisions, l'entretien avant d'aller rouler ou si demain je vais sur piste. Je suis pas mécano donc moi je me la joue pas mécano, je connais rien, faut dire ce qu'il y a. Michto le mécano, ça c'est un cadeau mon pote, ça vaut de l'or quoi. Il y a des mecs qui connaissent la mécanique par cœur. Moi j'avoue, à part les Vardines, je connais rien. Bon, pour l'équipement, je suis content. Les gants, c'est plus dur, les plus grands. Il y a plein de petits trucs qui protègent. Il y a même le truc anti-arrachage de doigts, là, tu sais. Voilà, c'est protégé partout. Eh, ça vous fait pas chelou que je roule comme ça tout doucement, là? Je raconte ma vie, ça me fait rire. Ouais, donc je disais quoi? Je m'en rappelle plus. Qu'est-ce que je racontais, putain? C'est un putain de rabouin YouTube sur YouTube. Un rabouin, c'est un manouche. Et il y a des gens, ils le suivent. C'est Michto, quoi. C'est énorme. Bon, attends, je vais faire un petit wheeling parce que là, depuis tout à l'heure, ça me provoque les lignes droites, là. Personne derrière, non, personne devant, j'ai le temps. La merde, la grosse merde. Enfin, bon bref, donc je disais, je supprime ma chaîne, il n'existe plus ce connard de 100% bitume. Il y en a qui ça ferait plaisir, hein. Il y en a, ouais. Il y en a, ils doivent pas me piffrer, tu vois, c'est obligé. Mais bon, bon sinon, bon bien sûr aussi je voulais parler aussi de motovlog. Pourquoi j'ai parlé du motovlog? Parce que comme j'y suis pas allé cette année, que j'ai... qu'on a regardé le live avec Rien à Foutre, mon beau frère, on a regardé le live et c'était Michto quoi. Mais l'année prochaine, promis je viens, promis on vient, les broies pour plus ils m'ont fait plaisir, on trouve un point d'eau, donc c'est à dire je vais venir avec la caravane et tout. Donc voilà, donc l'année prochaine, je suis là, la caravane, la famille, il y aura sûrement Kika avec moi, le beau frère, je parle dans le camtar ou dans la caravane. Allez, c'est willing ou pas? Pied sur frein arrière, ça suffit une fois, pas deux. Troisième. Sirène. Ah dommage, j'ai fait 3-4 et la 5 elle est pas passée. On va essayer en haut là. Applique-toi. Vent de mort là, arrête pas de me pousser là. In the spring, I'ma run it like cleats, we be clubbing. 1800s, bubbling in a nigga's stomach. 3 girls, so that mean I'm in here juggling. She might have a man, I might have a girl, but neither one of them at the club, so who give a fuck? Arrived on the scene with some. Puis de toute façon, une fois que t'as levé, après tu t'arrêtes plus, hein, donc. Eh, pieds sur frein arrière. Oh, Michto,
première fois que je me retrouvais plus haut et que j'appuie sur ma pédale de frein pour rectifier. C'est bien, les réflexes ils arrivent. Juste haut. Left a girl on crutches. I'm going clubbing. You know that I'm out there gonna slice up the Duchess. I'm going clubbing. Tell her when she ready, just hit me on my phone. Là, je sais pas si c'est le fait d'être protégé qui me donne plus de couilles. J'en sais rien, mais. Voilà quoi. Et pourtant, je me suis marave quoi. Je me suis marave, donc normalement, je devrais flipper, tu vois. Mais en fait, c'est pour ça, je vous conseille à tous que si un jour vous marave, peut-être si tu tombes, t'éclates, quoi que ce soit, et que tu peux, bien sûr, à monter, hein, si t'as la jambe brisée, ne remonte pas quoi. Là. Personne derrière? Non, c'est bon. Là, j'ai de la chance aujourd'hui, y'a personne derrière moi. Dommage! Pourquoi je passe pas ce rapport là? T'as pas tout quoi là-haut?